Mais je retiens surtout qu'on prend zéro point. Voilà, qu'on était venu faire un match de rugby intense. Le match n'a pas toujours été intense. En tout cas, il a été très combattu. Voilà, je constate que les garçons des deux équipes se sont sacrément envoyés aujourd'hui. Maintenant, il y a eu beaucoup de scories des deux côtés. Mais je retiens surtout qu'on a zéro point. Je pense qu'on a eu pas mal d'opportunités. Et ce qui nous a manqué, c'est l'état d'esprit tueur dans les 22 mètres adverses. Parce qu'ils ont eu leur occasion, on a eu les nôtres aussi. Mais sauf que nous, on a manqué d'un peu cet esprit tueur pour aller derrière la ligne. Déjà un rideau assez mixte, très agressif. Ça, c'est la première chose. Une faiblesse de notre distribution, peut-être un manque de soutien, un manque de réactivité de nos soutiens. Et puis aussi, peut-être tout simplement, parce que voilà, quand on n'a pas le momentum sur les premiers temps, eh bien, on a mis le ballon face à des rideaux qui étaient en place. Donc, pour moi, beaucoup de choses est dû à la qualité de la première phase. Et j'ai l'impression, il faudra voir la vidéo, qu'on a eu du mal à enclencher une première phase dynamique, pour plein de raisons. Notre touche qui balbutie, les mêlées encore qui permettent peu de lancer le jeu. Bon voilà, ce jeu de rugby, quand on lance difficilement sur la première phase, après ça devient compliqué. Il y a du mieux, mais on perd quand même, quoi, et on perd à 100 points. Quoi. Donc, cette année, on s'est dit qu'on voulait essayer de ramener au moins un point partout. Donc là, on est déçu du match, mais surtout déçu de ramener zéro point. Après, tout n'est pas à jeter. On n'est pas loin, on est dans les clous, je pense, à la 60e, il y a une touche importante qu'on perd, ensuite il y a une mêlée où on prend pénalité, après on prend l'essai qui nous détache un petit peu, donc je ne sais pas si c'est la 60e ou la 50, un peu avant la 50e. Mais ouais, on n'est pas loin, on arrive à revenir un peu sur la fin. Bon, après ils ont été beaucoup plus efficaces que nous, parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs aussi, et je crois qu'ils font plus d'un avant que nous, ils font des erreurs, mais nous, ils sont plus efficaces dans les zones de marque.